with regard to authorized and unauthorized hunting zones. Hunting is only allowed to meet the needs of the villages themselves, and this must be done on foot in a territory of 20 kilometers along the public roads from Minvoul to Makuku. And it's illegal to use a vehicle to hunt in any logging concession. Il est important de dire que nous interdisons pas la chasse, parce que les populations villageoises pensent que nous interdisons la chasse. Au contraire, nous la régulisons. Nous faisons en sorte qu'elle soit menée dans de bonnes conditions pour que demain, ils aient toujours de quoi manger. C'est d'abord pour cela que nous régulons la chasse. The main activity of the forest guards is to patrol the tracks in the forestry concessions and check vehicles and individuals for bushmeat and ivory. Their constant presence puts pressure on the poachers. Tu m'écoutes, tu as dit au chauffeur que dans le panier tu n'as que le poisson. Sous le poisson, on trouve le potamo cher. Qu'est-ce qu'on doit faire de toi? Mais moi, vous êtes mes frères. Mais, pardon. Comme je vous demande, la première des fois que je vais faire ça. Parce que quand je fais les poissons. Patrol activities in the forest concessions began in 1999. That year, almost every inspected vehicle was carrying game. From a single bush pig to the discovery of 600 kilograms of bushmeat in a single load. Hunting was rife in the logging concessions, and many employees of the logging companies themselves were involved. Vous avez été embauché pour faire quoi? Vous faites quel travail? Le gardiennage ou bien faire la chasse? Mais le gardien? Mais pourquoi vous faites la chasse? Bien sûr, ma chasse. Je sais que vous ne revenez pas faire la chasse, mais je constate qu'il y a un pangolin et un céphalope monticola. L'arme appartient à qui? L'arme appartient à qui? C'est assuré. C'est pour vous-même. Mon frère, voilà. Tu sais que l'arme ne se prête pas à des temps qu'on prend des gardes d'armes. Tu le sais? Que quoi? Déclaration qui le fait? Je comprends. La semaine prochaine, vous pouvez vous rendre. Today, the agreements between villagers and logging companies and the constant vigilance of the Minkabe team have helped reduce hunting in the concessions. But the area given over to logging exploitations has increased, and the number of patrol agents in the forest must now rise to meet it. Non, non, laissez-moi en paix. Ça ne sert à rien de faire la force. Tu ne me connais pas, Mindy. Tu es un Gabonais, ça ne sert à rien de faire la force. Mais puisque c'est un commandant, il te confirme que on se retrouve à au cantonnement de Mindy. Donc tu me remets le fusil. Je dépose au cantonnement et tu auras ton fusil. Une fois que tu te présentes avec les papiers de ton fusil, c'est tout. Et les papiers, le fusil dont tu me parles, tu me remets les papiers quand je serai de passage. Every rifle seized in a concession helps protect the fauna of Minkabe. However, river traffic must also be controlled if the forest guards are to offer full protection to Minkabe's endangered species. Rivers running through the heart of the forest are also used to smuggle game. À cause de l'Ebola. On a dit ne tuez plus les singes.
à cause de l'Ebola. Vous avez vu même vous-même ce que l'Ebola a fait. Donc, les singes, non. Avec tout le sommeil là, non. Vous nous amenez aussi les antilopes. Mais vous ne voulez pas lui montrer le fusil qui a tué. C'est pour ça que j'ai dit à l'enseignant de venir à 16h aujourd'hui. On va parler tranquillement. Nous ne faisons pas le contrôle pour le plaisir de faire. Dans le contrôle, nous régulons l'activité de chasse afin qu'ils puissent toujours avoir du gibier dans le terroir de chasse villageois. Les populations ne voient malheureusement que l'action de répression. Ils oublient qu'en fait, cette action est pour leur bien afin que leur terroir de chasse ne s'approuve pas. Je dirais que c'est comme une hémorragie interne. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma vision. C'est comme une personne qui a l'air bien portant, mais qui est en train de mourir. On a l'impression que lorsqu'on voit ces trains, ce sont des veines qui sont en train de couler. C'est du sang qui est en train de gicler sur des veines. Et que dans un avenir proche, la forêt gabonaise va disparaître. C'est l'hécatombe, en quelque sorte. Je n'aime pas voir ces trains partir. Je n'aime pas assister à ce départ. Je n'aime pas assister à cette mort. Et j'espère qu'un jour, ça va s'arrêter. Surveys show that since the launch of the awareness campaign, the implementation of certain agreements and the anti-poaching operations, hunting in concessions and along the many rivers has been reduced. Between 2001 and 2004, the number of elephants killed in the Minvoul area was cut by 50%. Results in Minka Bay are very encouraging,
But Minkabe is only part of the vast forest of the Congo Basin, and it's important to keep the forest as a whole in mind. The Minkabe team is collaborating with the governments of Cameroon and Congo. These three neighboring states are trying to create ecological corridors between the different countries so that the elephants' migratory routes can be respected and protected. They are also collaborating to obtain international passes that will allow the forest guards to hunt poachers beyond national borders. But the future holds other challenges. As well as logging, Minkabe is now faced with an iron mining development. The Belinga Forest east of Minkabe holds a 120-kilometer long and 20 to 30-kilometer wide iron deposit, estimated at 1,000 million tons. China has secured the right to exploit this iron by promising to buy all future production. It's estimated that it will take at least 50 years to extract the iron ore available. Maibut, a small village of 400 people on the edge of Minkabe National Park, will soon be a town of 10,000 inhabitants. The scale and the speed of development in this remote area will be unprecedented. These future open-cast quarries will need power, and the construction of a dam on the river Ivindo is being considered. It would result in vast flooding and the loss of large areas of forest. To transport the iron ore, a railway will be built from Maibut through to Auvent, Boué, and onto Libreville's harbour. As iron mining begins, the northeast of Gabon will witness a major economic boom, which will drastically change the Minkabe region. C'est une situation assez importante que je pense qu'il faudrait associer toutes les parties prenantes au développement de la localité. Je pense aux représentants du ministère de l'Intérieur, notamment Monsieur le Gouverneur, je pense à l'Assemblée départementale, je pense au ministère des Eaux et Forêts, je pense au ministère des Mines, que nous puissions projeter ensemble le développement de cette localité. Que nous puissions prendre des décisions importantes pour que ce développement soit canalisé. Si cela n'est pas fait, ce sera l'hécatombe et ce serait dommage et nous allons énormément le regretter parce que le changement va être énorme. L'exploitation forestière va tripler. Les routes de consommation minière et forestière, évidemment, avec toutes les conséquences, vont se multiplier et vraiment, ce sera le chaos.
Gabon is full of natural wonders, and its immense tropical forest holds a priceless heritage for all of mankind. To protect this forest, its flora and fauna, over-exploitation must be stopped, and large areas of pristine forest left untouched. As the main consumers of exotic hardwood, Asian, European, American, and Australian citizens have a key role to play in the protection of the rainforest. They can choose to moderate their consumption and only buy wood with certified labeling like that of the FSC. That way, they can give the forest a chance to renew itself. The inhabitants of Libreville, Yaoundé, or Brazzaville, who are fond of bushmeat, can moderate their appetite and leave the game of the forest for those who really depend on it for their survival. Ivory collectors can stop buying these objects, which have been responsible over hundreds of years for the mass slaughter of elephants. Politicians, financial institutions, and businessmen must show a real willingness to reconcile the economic development of Gabon with the protection of intact forest zones. The challenge is huge, but it can be met if we are each ready to play a part. Je dirais que Minkébé est un don à la terre. Minkébé, c'est l'une des zones les plus intactes actuellement dans la sous-région. Minkébé, c'est aussi notre réserve parce que pour toutes les populations qui vivent à la périphérie de ce parc, c'est de ce côté d'où viennent toutes les protéines animales. Je dirais aussi que Minkébé, c'est l'histoire de communautés qui vivent aux alentours, les communautés Fang, les communautés Kwele, les communautés Kota et les populations Pygmé Baka. Minkébé, c'est l'affaire de tous. Protéger Minkébé, c'est protéger chacun d'entre nous. C'est conserver et garder intact son avenir. Thank you.